Et je vous reprends sur une petite vidéo pour vous montrer le point des mailles brides normales. Du gâteau au chocolat. Le point ici, des mailles brides normales. Et alors, je crée 5 rangs de mailles brides. De chaque débutant de 4 mailles en l'air et de une maille coulée à la fin du rang. Alors, je monte 5 rangs de mailles brides normales et un rang de mailles serrées. Et puis, je refais 5 rangs de mailles brides normales. Et puis, après, je recrée un rang de mailles serrées. Voilà, tout un rang de mailles serrées, de mailles brides normales. Et le macramé, c'est comme une petite ficelle. Et c'est un peu comme une matière fluide. Ça glisse. Et c'est en matière de... Donc du macramé.
c'est en... polypropylène. Et 140 mètres métrage et 100 grammes de fil de macramé. Et on peut crocheter des textiles. Et c'est de chez Wibra. Et le petit crochet ou les petites aiguilles en 4,5 5. Et je vous montre ma petite décoration de Noël et de Nouvel An. Et je vous souhaite un joyeux Noël 2023 ainsi qu'une bonne année 2024. Et je vais vous montrer le gâteau au-dessus. Au-dessus de l'autre. Placer au-dessus de l'autre. Et le poing. Et après, quand le gâteau sera terminé, on peut y mettre des fruits au-dessus et créer de la crème fraîche d'un point différent. Que l'on travaille. Ici. Les petits, comme des petits flocons. Et que l'on met autour du gâteau et au-dessus du gâteau. Je vous montrerai le point. Et c'est de la petite laine brillante de chez Zeman.
Et voilà. Et alors, on le place à ce moment-là autour du gâteau. Et on peut aussi le mettre au-dessus. Et je vous montrerai le point dans une prochaine vidéo.